Salut les petits bisous, on continue sur notre petite partie de Mass Effect 2, on va retrouver notre Shepard chéri national. Alors, nous en étions où? Qu'est-ce qui s'était passé? Des trucs, sûrement. Salut. On avait perdu Ashley, je crois. Enfin, elle voulait pas venir avec nous parce qu'on n'était pas du côté des gentils. C'était du côté des méchants, les Cerberus, alors. Mais putain! Ah, je l'avais pas acheté. Ok. Ouais, parce que elle, Cerberus, Ashley, elle aime pas. Un dossier Tali. Ah oui, j'avais reçu des quêtes. Ah oui, le mec il m'avait dit de l'homme trouble, il m'avait dit d'aller enfin, de récupérer de nouveaux bronzes pour mon équipe. Tali, Robotrice Samara, puissance biotique quasiment comparable à celle d'une matriarche Azari, mais ça j'aime bien ça. Ilium, hors de l'espace. On va faire ça. Rendez-vous sur Ilium dans le système Tazalé. C'est parti. Système Tazalé. Sur Ilium. C'est pas par là. Attends, attends. Je vais. Le labo. Attends. Terminal de recherche, amélioration. J'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs. Je peux juste les regarder là? Non, mais. Moi, je veux faire des machins. Rapport. Attends. Trame dermique renforcée. Plus 10% à la santé. Ah, c'est l'entraînement. Bart peut modifier la répartition de ses points de pouvoir. Ah ouais. Ah ouais. Bon, je vois. Lance-missile à tête chercheuse à cadence rapide. C'est bien ça. Mais ça j'aime bien. Hein. 10% à la santé, faisons des recherches. Et voilà. 10% de santé reçue. Amélioration d'armes, on a quoi? Non, mais on a déjà tout pris. Armure. Ouais, biotique, dégâts. Bonus commando, dégâts biotiques plus 10%. Très bien. Faisons des recherches. C'est quoi ça? Prototype, c'est on avait dit. Et réinitialisation des pots. On va quand même faire des recherches sur lance-missile, ce serait dommage de passer à côté. Tête chercheuse et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Là on est plutôt serein. Et donc, j'ai des messages, connasse? La cuve récupérée sur Corlus présente des signes vitaux Krogan stables. Elle est remisée dans la soute, si vous souhaitez. Ah oui, c'est vrai, oui. J'avais un Krogan. J'ai ramené un fœtus de Krogan. Elle est dans la salle de quoi? Je me souviens plus ce qu'elle a dit. On y aura une autre fois. Parce que moi, j'aime bien ce qu'elle a dit là, à propos du personnage que je dois aller chercher. Ouais, j'ai rien fait sur. Hera. Donc il faut que je sorte. Elle a dit là, madame. Relais Cosmo machin. Bah non, on va pas faire de recherche pour l'instant. Donc sur le système. Donc recruter Tali Ilium, voilà. Ah, on peut recruter un assassin
Ça, j'aime bien ça. J'ai pas un truc à faire sur la nébuleuse de l'aigle. Bon. On va aller chercher la... La connasse, là. Qui est forte en ambiotique. Là, c'est stylé comme ça, comme planète. Ilium recruté la probatrice. C'est ça, hein, je... Oui. Un coup. C'est une ville. Merde, j'aurais bien aimé lire la description. Parce que finalement, quand t'as des planètes comme ça qui sont stylées, c'est sympa de savoir un peu ce qu'il en dit. Alors on va prendre. J'aime bien le petit duo parce que j'aime bien leur capacité de lévitation, enfin télékinésie du moins, et l'autre c'est onde de choc majeur. Ça poutre pas mal. Hein. Agent Cerberus, non mais de toute façon je peux monter un niveau, pas du coup. Non ça je peux pas. Barrière je peux pas. Donc voilà. Ça, attends, voilà, 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 ok, fort, ok, un rapide capable d'éliminer leur cible d'un seul tir bien ajusté, imprévu, léger des mercenaires, pour chasse, efficace contre les blindages, les barrières biotiques et les boucliers. Ouais, ça a l'air bien. Oh non, ça. Ah oui, du coup, j'ai le lance-missile. Ouais, mais en fait, ça c'est ce que j'ai déjà. Ouais, ça. Le lance-missile, ça fait quand même bien envie. Je sais pas. On va prendre le lance-missile. Juste pour rigoler un peu. Voilà. Oh, c'est stylé quand même comme ville. Ça j'aime bien. Ça fait, c'est vraiment le Star Wars du jeu vidéo en fait ce jeu. Du coup il me tarde de voir le 3. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'on va sur une planète, on est forcément reçu. C'est pareil dans le 1. Bienvenue sur Nos Astra, commandant Shepard. Conformément à nos instructions, vous n'êtes pas redevable des frais d'amarrage et d'administration. Je m'appelle Kalina. Bien, je suis un spectre. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pourquoi cette faveur ? De qui tenez-vous ces instructions ? De Lyra Tsoni. C'est elle qui a réglé les frais en votre nom. Elle vous invite également à la rejoindre à l'heure de votre convenance. Vous la trouverez près du niveau commerçant. Ok. Lyra est ici, vous dites ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Lyra est l'un des courtiers en information les plus respectés de Nos Astra. Nos Astra vit du commerce. L'information est une précieuse valeur d'échange. Et Lyra s'est montrée plutôt habile. Comme je l'ai dit, vous la trouverez près du niveau commerçant. Elle est impatiente de vous voir. Je cherche quelqu'un. Attends. Je cherche quelqu'un. Vous pourriez m'aider ? Je peux vous indiquer les principaux centres de loisirs et de commerce, mais pour ce qui est des particuliers... Lyra excelle dans ce type de travail, par contre. Je vous suggère. Ouais, ça va, mais t'as pas envie de lui sucer un peu la bite à Lyra Bon. Merci. Salut. Encore bienvenue, commandant. Je vous souhaite un bon séjour parmi nous. Ok, c'est toi. Putain, mon armure, elle est tellement stylée, quoi. Les douanes indiquent qu'une probatrice du nom de Samara se trouve actuellement dans la station Shepard. Lyra Tsoni, votre ancienne associée, pourra peut-être vous aider. Son bureau se trouve au-dessus du niveau commercial. Vous pourriez en profiter pour lui poser quelques questions sur Thane Krios, l'assassin que vous recherchez. Eh, un assassin, c'est cool aussi. Oh, regardez ça comme c'est joli. Eh, franchement, oh, c'est pas ouf, non. Ouf, mais j'aime bien l'ambiance, hein, c'est...
Plutôt sympa. Plutôt sympa. J'aime bien. Salut! Oh là, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi tous ces gens? Putain, dans le 1, t'avais deux pélos qui mesuraient leurs zizi et c'est tout quoi. Vous ne m'écoutez pas. Achetez tout. On t'est arrivé sur une ville, dans une ville, même à la citadelle, hein. Bien. Non, toi, je te parle. Shepard, on avait annoncé votre mort aux infos. Que s'est-il passé? T'es qui? Non, c'est sûrement confidentiel. Mettons que je n'ai rien dit. Inutile de mentir. Je suis Gianna Parassini des affaires internes de Noveria. Vous avez saboté mon enquête sur l'administrateur Anoleis. J'ai pas le choix. J'avais d'autres choses en tête à l'époque. Sa reine essayait de détruire la galaxie. Bam, prends ça dans ta gueule. Incroyable. Sans parler des labos qu'il a utilisés pour ses expériences, on a eu chaud sur ce coup-là. Au final, j'ai réussi à pas d'opinion tranchée. Anoleis après ses démêlés avec un inspecteur fiscal Asari. Alors tout baigne. Asseyez-vous. Vous pouvez m'offrir une bière. De quoi? C'est toi qui veux m'offrir une binouze, ouais. Qu'est-ce qui vous amène sur Ilium, si je peux me permettre? Je suis top secret. C'est confidentiel. Ne le prenez pas mal, mais la dernière fois, Noveria trafiquait avec l'ennemi. Vous êtes du genre rancunier? J'avais oublié à quel point. Ouais. Écoutez, je viens de me souvenir qu'on m'attend ailleurs. On se revoit plus tard? Bah, c'est Et ça. N'oubliez pas de vider votre bière. Ouais, c'est pas ma bière. C'est un clodo qui l'a laissé là. Examinez la bière. J'ai perdu du parti à Blasil, m'a repéré. Je ne peux pas prendre le risque de griller ma couverture. Le marchand de technologie écoule des diagrammes. Derrière. Vous pourriez peut-être le persuader de vous montrer son stock de marchandises spatial. Oui. Oui, j'aime bien tout ce qui est un peu spécial. Parlez à Jack. Ski Jack. Panorama. C'est pété de thunes par ici. Des types mollassons, des victimes toutes désignées. Jack, non. Ah, mais oui, Jack, c'est vrai que c'est la femme. La femme qui s'appelait Jack, voilà. Je recherche les meilleures améliorations technologiques que vous ayez. Bien entendu. Je peux vous faire un devis pour déterminer les options qui vous conviendront. Ça, c'est de l'écran. Dans le futur, on n'y verra plus très bien. Alors, du coup, on aura des écrans gigantesques. Vous en avez assez de former vos employés pour les voir filer chez la concurrence. Indentutech est là pour vous. Indentutech. Yeah. C'est hyper cohérent comme jeu. C'est assez marrant. Galactique. Bon, je vais un peu à la. On trouvera un moyen, ne t'en fais pas. Marchand d'esclaves. Ah, enterrement de vignes garçons. Je ne vois toujours pas ce qu'on fait là. Les Galariens ne se marient pas. Ma famille a juste négocié un contrat de reproduction. Oh, c'est pareil. Ça vaut bien un enterrement de vie de garçon, on va quand même pas jouer sur les mots. De toute façon, qui voudrait se marier avec toi, vu. T'as vu la dégaine que t'as? C'est un peu bizarre quand même. Ah bah voilà, Jibar, Norman, pas picole. Non, pas en service. Pas en service. Non, pas de problème. Bon. T'es qui? Représentant de Synthetic Insight. Bon, alors, comment... Car. Bar, niveau commercial. J'ai... Tiens. J'ai une demande, mais... J'ai pas de points. Ah si. J'ai zéro. Et les kinésies. Commercial
Oui, tout à fait. Comment on fait pour monter? Voilà, par là. Shipping. L'avion haute altitude rend-elle plus intelligent? Notre enquête pourrait bien vous surprendre. Une nouvelle recherche. Bonjour, commandant Shepard. Liara sera ravie de vous voir. Très bien. Liara respectée. Quelle est la réputation de Liara sur Ilium? Elle est très respectée. D'ici quelques années, elle aura tissé un considérable réseau d'intermédiaires. Elle pourrait exercer une influence politique encore supérieure si elle n'était pas aussi absorbée par ses objectifs personnels. Mais c'est plutôt à elle de vous en parler. Ah ça. On se reparlera plus tard. Prenez ça chez nous aussi. Bien sûr, commandant. Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Écoutez, c'est très simple. T'es pas un peu taré dans le... Soit je vous écorche vif. Et je ne plaisante pas. Shepard, Nick Seris, prends mes appels. Et apporte-moi un sandwich. Ah ouais, c'est à base de câlin quand même. Je me souvenais pas qu'elle était... Enfin... Dans le 1, moi, elle m'a pas trop servi. Vous étiez en vie, mais je n'arrivais pas à y croire. C'est bon de vous revoir. On va faire copain. Ouais, ça me fait plaisir à moi aussi, Lyra. Comment allez-vous? Bien, je vais bien. Je travaille comme courtier d'information. Ça m'a rapporté de quoi vivre depuis... Eh bien, depuis ces deux dernières années. Et vous revoilà, alliés à Cerberus contre les récolteurs. C'est bien informé, connasse. Cela ne ressort pas exactement du domaine public. Non plus que vous soyez toujours en vie. Mais l'information est mon métier aujourd'hui. Si vous avez besoin de trouver certaines personnes, je serai ravie de vous aider. Je cherche une Asari, une certaine Samara. Vous savez où je peux la trouver? Samara? Oui, elle est arrivée il y a peu. Elle s'est enregistrée auprès de l'officier de sécurité Dara. Vous trouverez Dara au relais de transport. D'accord. Je cherche Thane Krios. Il est censé être ici, sur Ilium. L'assassin? Oui, il est arrivé il y a quelques jours. Ah ouais. D'après mes informateurs, sa cible serait la directrice d'une société, Nassana Dantus. Il a rendu visite à une femme. Super pour son métier, que tout le monde sache qu'il est assassin. Serena est employée à la manutention, sur les docks. Elle vous indiquera peut-être où trouver Krios. Ok. Ça vous vient comme ça, sans réfléchir? Je suis très douée pour le trafic d'informations, Shepard. Le monde de l'intrigue n'est pas si différent d'un site d'excavation. La différence, c'est que les cadavres sont encore frais. Merci du tuyau, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais de rien. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-moi signe. Et avec moi. Et vous, Liara? Votre aide ne serait pas trop dans cette mission. Je ne peux pas, Shepard. Je ne demande pas mieux, mais j'ai des engagements. Des affaires dont je dois m'occuper. De quel genre d'affaires est-ce que vous parlez? Vous avez des ennuis? Non, rien de tout ça. Beaucoup de choses ont changé depuis 2 ans. J'ai quelques dettes dont je dois m'acquitter. Mais si vous tenez à m'aider, j'ai besoin d'un expert en piratage. Quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Bah ouais, mais moi je sais tout faire. Si vous pouviez neutraliser la sécurité en plusieurs points névralgiques d'Ilium, vous pourriez m'obtenir les données dont j'ai besoin. Pourquoi ces fous fuyants, Liara? Pourquoi refuser de me parler? Vous croyez que je n'en ai pas envie, Shepard? Ce n'est pas une question de confiance. C'est Ilium qui veut ça. Tout ce que je dis est probablement enregistré. Pourquoi ces fous fuyants, Liara? Oui, oui, oui. Vous croyez que je n'en ai... C'est Ilium qui veut ça. Pourquoi moi? Tout ce que je dis est probablement enregistré. Pirater un terminal n'a rien d'insurmontable. Pourquoi moi? Je ne connais personne d'autre en qui j'ai confiance. Le piratage du terminal ne fera que produire une défaillance mineure du système. Vous n'aurez que quelques instants pour localiser un serveur compromis par cette défaillance. Si on t'écoute, là ton plan est tombé à l'eau, non? Je laisserai mon système exposé pendant cette courte période pour faciliter l'importation des données. Ok. Si ça peut vous aider, je m'en chargerai. Sitôt un terminal piraté, un serveur s'ouvrira à proximité pour une courte période. Si vous faites vite, vous pourrez télécharger les données. Merci, Shepard. Ces données me permettront de racheter une énorme dette. Ok, ok. Bon, donc, on va faire ça. On se reparlera plus tard, Liara. Puis après, on ira chercher Christine, Samara. Alors. Ouais, ça d'accord, mais je veux aller au centre de transport pour... C'est ça que je veux. Voilà. Découvrir de quel genre d'aide... C'est bon ça.
Alors attends. Du coup. Lire à la piratage des systèmes. Pirater les terminaux de sécurité. Trouver les terminaux de sécurité, pirater-les avant de réaliser. Oui, non mais d'accord, mais c'est où? Sans déconner. C'est sérieux? Ça? Système de défense. Technologie. De série. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Donc il y en a un là, en gros. C'est ça là? Je vais te pirater en scred. Vous n'avez rien de plus flashy. Ah, la technologie de service. Je cherche quelque chose qui dirait c'est moi le boss. Ça je l'ai. Amélioration double le temps limité accordé. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas comment s'en sert du midi-gel, alors foutez-moi la paix. Donc en fait les trucs bleus c'est juste des endroits où on peut acheter des trucs. Donc il faut que je trouve. Si vous n'avez rien de mieux, ça fera l'affaire. Des machins à pirater pour aider l'autre pupute. Ouais, je sens que je vais pas finir. Parce que moi j'ai vite tendance à me paumer dans les villes. Parce que par exemple là je suis déjà allé. Et il s'est rien passé de très probant donc Alors marchand d'esclaves. Nanana. Ah oui c'était un bar c'est ça. Quelqu'un qui sache te respecter. Quelqu'un qui saura t'aimer vraiment. Et là, il y avait rien. Ouais. Ici y'a rien. Cet humain te bouffer la vie. Attends, je vais peut-être soutirer des informations à la barman. Fallu. Bienvenue dans l'éternité. Je suis Aesita, matriarche Sari et tenancière. Que puis-je vous servir? Vous êtes une matriarche? Je croyais que les matriarches étaient d'éminentes conseillères. C'est exact. C'est justement ma fonction ici. Je sais. Vous vous attendiez à autre chose. J'alcoolique. Mes précieux conseils n'ont jamais servi à personne sur Tessia. Alors, d'accord. Mon Krogan de père a combattu pendant la guerre Rakhni. Idem pour ma mère pendant la rébellion Krogan. La guerre, ça okay. Me connaît. Merci de m'avoir raconté ça. Je suis là pour ça, ma jolie. Il vous fallait autre chose. Je fais juste faites, un tour. Évitez de piocher dans les bols rouges. Ces douceurs sont réservées aux Turiens et aux Cariens. Ça vous ferait un choc. Bol rouge, j'en veux. C'est où? c'est soit des putains de métaphores hein, ou alors à l'arrivée, y a pas de bol rouge. Ah, super. Il aura visité pas moins de 20 colonies. Putain, présent à bord du vaisseau. Ça va être chiant. Ça va être chiant. Les utilisateurs de systèmes radiomédicaux Koros sont invités. Je préfère prévenir. Immédiatement. Veuillez retourner votre système à un rebond. Donc là, y'a rien. Ah bien, je prends. Super. Là-bas, c'est de là où je viens. Y'a rien. Là. Peanut. Et pourquoi pas? Bon. C'est ce que j'ai fait après. Ah! Ça a payé. Cours, je sais pas. Administration. Cours pour ta vie. Ce cul. Alors. Niveau commercial. Galarien. Ces données sont vitales pour la famille qui ressent. Nassana Dantius ne nous a pas laissé le temps de faire le valise. Est-ce que vous sentez que sa mission, je vais jamais y arriver quoi. Donc quelle façon il fallait que je lui parle? Serena, qui êtes-vous? Quelqu'un en mal de réponse. Quelqu'un qui pourrait faire de votre vie un enfer. Bam! Vous arrivez trop tard. Liara Tsonic prétend que vous avez des infos sur Tain Krios. Elle a raison?
Tana, remplace-moi. Suivez-moi. Non. Oui, je connais Ten Krios. Je lui ai peut-être même transmis des informations, mais je ne l'ai pas engagé. Que voulez-vous savoir ? Parlez vite. Vous pourriez m'aider à le retrouver ? Peut-être, mais vous devrez faire vite. Il projette de tuer Nassana Dantius. L'idée est bonne, mais elle sait à quoi s'en tenir. Si vous ne l'arrêtez pas, c'est elle qui s'en chargera. Et elle n'aura aucune pitié. Ce mot lui est étranger. Dites-moi seulement où trouver Tain. J'ignore où il est, mais je sais où il va. Les tours Dantius. Le niveau résidentiel de la tour 1. Okay. C'est loin. T'as pas un jetpack ? Il y a une seconde tour, toujours en construction. Si votre ami a un peu de jugeote, c'est là qu'il passera. Et c'est là que vous le trouverez. Nassana ne va pas me dérouler le tapis rouge, on dirait. Elle est aussi rusée que paranoïaque. Personne n'entre ou sort de cette tour sans combattre. Je peux vous faire entrer, mais vous n'aurez pas de seconde chance. Vas-y, on y va. Je suis prête. Voilà ce que je voulais entendre. Nous agirons ce soir, dès que les ouvriers auront quitté la tour. Ah, oh, putain. Ah oui, mais oui. Tu n'es pas obligé d'attendre la nuit, du coup. C'est vrai que... Avant, ça se passait comme ça dans les jeux. Oui, très régulièrement, la notion de temps. Oui. Oui. C'est fou parce que je trouve les cinématiques, enfin, pas plus ça une cinématique, vraiment pas jolie. Les tours sont lourdement gardées et la résistance. Je sais pas, je trouve que ça tourne mieux là, c'est beaucoup plus fluide. Alors, cet assassin, vous comptez l'arrêter ? Je viens m'assurer qu'il reste en vie, c'est tout. Mmh. Alors que là, regardez, il y a une espèce de grain. Comme un filtre dégueulasse, c'est pas net. Vous devrez monter au sommet de la tour. Alors que là, c'est hyper fluide, c'est 60 FPS là. Ces mercenaires se battront pied à pied, mais c'est votre meilleure option. Go, go. Pourquoi on n'irait pas direct jusqu'au sommet ? Ces mercenaires vous accueilleraient avec une volée de roquettes. C'est pas grave, la les roquettes. Serait abattue même pas à mi-parcours. J'en ai aussi. Et d'ailleurs, votre ami ne passera pas par là. Mieux vaut la jouer plus discrète. Ouais. Bon, finissons-en. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une musique qui fait peur s'il se passe rien. Ne vous attardez pas ici, vous aurez de la compagnie bien assez tôt. D'accord. Bonne chance, c'est pas. Ah, mais c'est loin. Là-bas. Oh. Oh. Enfoiré de robot de merde. Ouais. Fais un truc. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose les copains ou pas là ? Ensuite. Voilà ma sensibilité. Allez, il faut que j'aille régler ma sensibilité. Pourquoi tu veux que je lance un pouvoir ? Je les ai tous fumés. Là il y a des trucs d'abord là-bas. Ouais, faut que je règle ma sensi parce que là. Hop. Ah ben voilà. Un terminal. Alors, orange, blanc, orange. Ça. Putain. Ça. Non. Oh putain, à chaque fois ça recommence, bordel. Ça. Voilà. Oh, faut activer. Ok. Alors attendez, faut que je lance mon.
Voilà. Changer ma mon DPI parce que c'est pas possible. Pas Mass Effect, c'est pas possible. Voilà. C'est toujours chiant. Hein. Prends ton petit. Ton arme là. Allez, go, go, go! Par là. Là, y'a un travail galéré. Je suis là. Je ne sens plus mes jambes. Et cette douleur dans la poitrine. Qui a fait ça? On est que l'équipe de nuit. Nasana les a lâchés sur nous. Les mécas nous ont cernés, mais on n'a rien entendu. Et alors, ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré, comme ça? Oui, on n'a pas réagi assez vite. C'était atroce. Tous ces hurlements. Les mercenaires ont dit que le temps pressait. Nasana voulait qu'on débarrasse le plancher sur le champ. Alors, les chiens... Il est salement amoché. Il a besoin d'aide. J'arrive plus à respirer. Aidez-moi. Ma poitrine va... Là, ça devrait vous tenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Il ne sait pas où se trouve l'assassin. Prenez votre temps. Je crois que je vais mieux. Trouvez les autres ouvriers, aidez-les. Pourquoi Nasana tuerait ses ouvriers? Pour elle, on est remplaçable, mais j'aurais pas cru qu'elle irait jusque-là. Mes amis, mes collègues, massacrés. Ils sautaient depuis les rebords pour échapper aux chiens. Ok. Puit, 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 puit. J'appuie à côté. Merci. En avant. Bam. Tirez sur l'autre. Il va y avoir des méchants. C'est quoi ces balles de merde que j'ai là, putain? Ça va faire mal. Attendez. C'est pas une super idée en fait. Ah ouais, ça va pas s'en remettre dessus là. Oh là. Ah, le sniper quoi. C'est quand même parfait. Beaucoup mieux que dans le 1. Oh. Dans le 1 c'était pas possible le sniper. Va t'en servir. Y'a encore des débiles ou pas? Hein? Parce que moi je suis chaude. Hein. Oula. Oula. Oh non! Oh! Dans ma gueule! Attends, regarde. Ah, je peux pas te le faire. Bam! Qu'est-ce que tu dis de ça, mon con? Pousse-toi, Jacob. Je ne peux pas voir l'ennemi. Quoi? Genre je l'ai pas touché. Genre je l'ai pas tué. Je peux l'utiliser. Utilisons ça. Ouais, il a récupéré ça. Sa santé, cet enculé. Et elle, ce pouvoir, c'est tellement chiadé.
Jack. Pas sans bon, quoi. Ah, j'ai vraiment l'impression de pas viser. C'est... Attends, on va faire un truc. Super. Regardez ça! Comment ça se fait que ça vise? Ça m'énerve. Du coup, on va changer. On va faire ça. Non, mais c'est trop bizarre. Ça ne vise pas. Les balles, non, elles sont branlées. Ça, j'étais sur sa gueule, et franchement. Raté. Bon, on va peut-être utiliser des compétences parce que là. Attends, attends, cours! On a connu plus dur. Hein. Alors, on va voir notre système de défense. On verra tout ce qui est manœuvre d'approche tactique. Bon, bah voilà.
votre place, je ne m'éterniserai pas. Évacuez vers les étages inférieurs. Exactement ce que je me disais. Vous autres, on décampe. Merci. Dites à votre assassin de viser la tête, vu qu'elle a un bout de métal à la place du cœur. On y va. Ce sera la phrase du jour. Ok, ok. Tout va bien. Alors attendez, deux. Peut-être stopper là pour la VOD. Enfin, juste ce qu'il y a à côté. Un dernier fight ou quoi. Ah ouais, mais en fait, non, là j'y suis déjà allé. Donc il a dit qu'il fallait que je prenne le monde charge. C'est. Ah ben voilà. Porte d'ascenseur. Bon, bah écoutez. On reste là à les attendre. Ça me dérangerait pas, mais bon. Soyons prudents. Trouvons un abri. Mezzanine, nous vous souhaitons un bon séjour. Ok. Ah oui, bah. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ok, vous voulez jouer au débile? On va jouer au débile, hein. Je sais faire. Pam, pam. Ok. Non, mais je m'y attendais un petit peu en même temps. Sans vraiment avoir fait attention. Bon, écoutez, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. On reprend la suite très vite. Et banni de notre Shepard adoré. Allez, ciao, ciao.